Que dirais-tu de fabriquer une poudre végétale riche en goût, salée, légèrement fruitée et piquante, comme un fromage italien que tu peux saupoudrer absolument partout? Le tout en quelques secondes et pour quelques euros. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui sur Delicarum. Pour préparer un beau petit pot de poudre saveur fromage, tu vas avoir besoin de environ 125 g de noix de cajou crues ou grillées, mais non salées, 3 cuillères à soupe de levure maltée, facile à trouver en magasin bio, 2 cuillères à café d'ail en poudre et 1 cuillère à café de sel. C'est super simple et vraiment magique, on peut presque le manger à la petite cuillère tellement c'est addictif. Pour commencer, mets tes noix de cajou dans ton blender. On te conseille d'en prendre des crues ou juste grillées car celles salées le sont souvent beaucoup trop et sont les moins bonnes récoltes. Les 3 cuillères à soupe de levure maltée qui en plus d'apporter une saveur fromagère et de la douceur va enrichir de protéines et de vitamines. Les 2 cuillères à café d'ail en poudre pour le côté piquant du fromage italien et du sel, ici on ne met qu'une seule cuillère à café. Libre à toi de modifier les proportions des ingrédients et de voir à quel point changer simplement la marque de noix de cajou peut impacter la texture et le goût. Et c'est vraiment ça qui est génial, tu peux contrôler le piquant, le sel, le côté maltais à ta guise. Bon, pendant qu'on parle, il suffit bien sûr de mixer l'ensemble et de le réduire en poudre, mais sans forcer pour ne pas que ça devienne de la purée. Ne pas hésiter à racler ou bien à utiliser la fonction glace pilée afin de faire sauter la poudre. Il ne te reste plus qu'à la verser dans un bocal et elle se conserve aussi longtemps que tes noix de cajou, c'est-à-dire plusieurs mois à l'air libre, pas besoin de la placer au frais. Tu peux désormais en mettre absolument partout, sur tes pâtes, ton riz, tes plats, gratins, pizza, tous les endroits où tu souhaites donner du goût et du piquant à tes préparations. Très bonne dégustation avec Delicarum. On espère que tu as apprécié cette vidéo ainsi que les autres et que tu auras envie de les partager à tes amis par email ou sur les réseaux sociaux. Des vidéos de qualité et un site internet sans publicité, tu peux nous soutenir à partir de 1€ sur notre page Tipeee. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons faire de délicieuses gaufres.